Bonjour Vincent. Bonjour. Où sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes à la Fondation des États-Unis pour l'événement qu'organise l'ISEF en partenariat avec la Cité internationale universitaire de Paris et l'ESCP Europe sur la problématique docteur, entrepreneur, intrapreneur, de la recherche au marché et aux besoins sociétaux. C'est vous qui organisez cette journée? Voilà, donc en fait, je fais partie de l'association ISEFRE, qui est une association qui promeut, on va dire, une société, une économie de la connaissance basée sur les producteurs de connaissances, donc les chercheurs. Et c'est pourquoi la Cité a souhaité nouer un partenariat avec nous pour organiser cette journée en l'honneur du Club des chercheurs de la Cité internationale universitaire de Paris. Et d'ailleurs, se tiendra ce soir le dîner de gala du Club des chercheurs. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée? Eh bien, l'idée vient de l'association, donc l'ISEF, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, où en fait on a vu que les chercheurs, les doctorants, les docteurs, aujourd'hui sont confrontés à un problème majeur qui est celui du manque de postes et de travail, on va dire, dans le secteur académique, et qu'en fait le diplôme de doctorat et les chercheurs ne sont pas valorisés et n'ont pas une formation qui est peut-être la plus adaptée pour les milieux socio-économiques qui sont extra-académiques. Voilà, donc notre perspective et notre travail d'aujourd'hui est de comprendre quelles propositions ou axes de réflexion on peut faire en ce sens pour que les chercheurs, les docteurs aient toute leur place au sein de la société puissent contribuer à l'essor de la société et l'économie de la connaissance. Et pourquoi avez-vous décidé d'organiser cet événement à la Cité ? Eh bien, tout simplement parce que la Cité regroupe beaucoup de chercheurs et de doctorants, donc de jeunes chercheurs qui sont en train de réaliser leur thèse, qui est une expérience professionnelle à la recherche par la recherche. Et donc, on a jugé bon, et puis les conditions étaient réunies pour organiser cet événement à la Cité internationale, qui est un lieu magnifique pour accueillir. Aujourd'hui, on a eu à peu près 150 personnes qui viennent. Et en ce moment même, ont lieu des ateliers thématiques pour pousser les réflexions sur un certain nombre de thèmes. Donc, et on fait cela au Collège franco-britannique, qui est juste derrière la Fondation des États-Unis. Qui sont les participants? Alors, les participants sont, on va dire, à 40% des doctorants, donc des jeunes chercheurs. On va dire 30% des docteurs qui sont soit docteurs en poste, donc chercheurs ou professeurs, et puis des post-doctorants. Et puis le reste viennent d'entrepreneurs qui sont souvent docteurs, donc des jeunes chefs d'entreprise, des industries aussi. On a Engie qui est là, on a quelqu'un de Safran. Et puis on a aussi des associations comme l'Association nationale recherche technologie, et puis d'autres associations comme le réseau Curie de valorisation de la recherche. Et puis on voit là une vingtaine de partenaires, Start Square qui est un partenaire majeur, l'ANDES, Association nationale des docteurs, et puis tous les partenaires institutionnels, la mairie de Paris, le conseil régional d'Île-de-France, et des médias, voilà, et encore plein d'autres. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée des docteurs. Merci des docteurs entrepreneurs. Entrepreneurs. Et entrepreneurs aussi, voilà. Merci.